Hey, my God is good, oh. Hey, my God is good, oh. Hey. Parce qu'il est vrai que la prédication de la croix, c'est une folie. Alors, je veux que le pasteur nous aide un peu par là, en faisant une lecture ici. Nous sommes dans Isaïe 9, 13, 14. Aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche des palmiers et les roseaux en un seul jour. Pasteur, un peu de soin. La tête et la queue. Et la queue. La branche. La branche des palmiers et les roseaux. Branche. Blanche, branche de quoi? De palmier. De palmier. Et quoi? Et les roseaux. Et les roseaux. Quoi encore? Le magistrat. Un seul jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. L'ancien. Et le magistrat. Magistrat. C'est la tête. C'est la tête. Et le prophète qui enseigne les mensonges, c'est la queue. Faux prophète, c'est quoi? La queue. La queue. Merci, pasteur. Le serpent n'a pas seulement la tête. Le serpent a la tête. Le serpent a la queue. La Bible dit ceci. En Israël, en un seul jour, Dieu fera quoi? Ôtera d'Israël la tête et la queue. Le prophète explique. Il dit que la tête, c'est quoi? C'est la branche des palmiers. La queue, c'est le roseau. Ou encore, l'ancien et le magistrat, c'est la tête. Le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Il faut que ces deux histoires soient ôtées en Israël, en un seul jour. Mais dans Genèse, on nous dit qu'on va écraser la tête du serpent. Saisissez-moi très bien. C'est le talon qui va écraser la tête. Et c'est la tête qui va mordre le talon. Nous avons talon. Et nous avons la tête. Talon va écraser. La tête va mordre. C'est d'abord le talon qui doit commencer. Le serpent est sur la terre. Le talon qui doit écraser vient d'en haut. Même à la manière des hommes, si je vais écraser quelque chose, comme ça, c'est-à-dire, on sous-entend que mon pied ou le talon est un peu élevé. Et la chose que je vais écraser est sur la terre. Le talon ici, ce n'est pas ça. C'est tout un homme. Le talon, c'est tout un homme. Et la tête aussi, c'est tout un homme. Parce qu'en expliquant ici, nous voyons que la tête, c'est l'ancien. La tête, c'est le magistrat. La tête, c'est la branche de palmier. Je ne touche pas encore la queue. Parce que la queue,
tiens sur le roseau. Dans un seul jour, toutes les deux choses seront retirées d'Israël. Ça, c'est une prophétie. C'est comme les prophéties d'Ésaïe 50, 61. Quand Ésaïe prophétisait, il a mélangé tous les deux événements dans une seule phrase. Ésaïe 61, si on peut le dire. Et on prend aussi Luc 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a loin pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés des Sion. Merci, pasteur. L'homme qui fera ce travail, la proclamation de l'année de la grâce, c'est le même qui viendra pour venger. Toutes les deux promesses dans une seule phrase. Toutes les deux promesses dans une seule prophétie. Mais pour l'accomplissement, d'abord c'est l'année de la grâce, et ensuite, jour de vengeance. C'est ce que Luc 4 nous dit. Quand le Seigneur est venu, comme il avait l'habitude, il est entré dans l'une des synagogues, on lui a donné le rouleau. Il faisait la lecture là où il est écrit, le verset 14, si je ne me trompe pas. 16. 16, merci. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. Oui. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Merci. La prophétie d'Ésaïe 61, c'était l'année de la grâce et un jour de vengeance. Que une seule personne qui est Jésus qui doit réaliser et l'année de la grâce et le jour de vengeance. Mais quand il est venu, il a lu dans Luc 4 la même écriture, la même prophétie d'Ésaïe. Il n'a pas terminé la phrase. Il a lu que la première partie, l'année de la grâce. Au lieu de continuer, jour de vengeance, il n'a pas continué. Il a remis le rouleau entre les mains de la personne qui pouvait le garder. Il a dit, aujourd'hui, les paroles que vous venez d'entendre sont accomplies. C'est-à-dire quoi? Dans la première venue, le Seigneur n'était pas venu venger. Il était venu proclamer l'année de la grâce. En proclamant l'année de la grâce, il ne pouvait pas lire la partie seconde de la prophétie.
Parce que cette partie, c'est ce qui va le réaliser dans le jour postérieur. Mais à la croix, il avait comme mission de proclamer l'année de la grâce. Les aveugles, le boiter, tous ceux-là que la loi empêchait de trouver grâce auprès du Seigneur, puissent avoir lieu, puissent trouver grâce auprès du Seigneur. Maintenant, écoutez-moi très bien. Esaïe nous dit qu'on a la tête, on a aussi la queue. Dans un seul jour, tous les deux seront retirés. C'était une prophétie. Et quand le Seigneur est venu, il ne pouvait pas s'attaquer de la queue. Mais il a d'abord traité le problème de la tête. À la croix de Golgotha, la tête du serpent a été écrasée. Mais cette tête qui a été écrasée, c'est laquelle? On nous explique. La tête, c'est l'ancien. Si vous prenez Nombre chapitre 11, ancien c'est qui? Par exemple, Deutéronome 16 et 18. Dans Nombre 11, Moïse, Dieu lui a dit, prends 70 personnes parmi les anciens. Je vais prendre de ton esprit et je veux le déposer sur tout et chacun d'eux. Vous lisez Deutéronome 16 et 18, pasteur. On va lire. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes de l'Éternel. Dans toutes les villes que l'Éternel, ton Dieu, te donne, seront tes tribus. Et ils jugeront le peuple avec justice. Tu établiras des magistrats. C'est-à-dire, le magistrat, c'était des personnes qui jugeaient le peuple. Selon que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 13, verset 4, le magistrat, c'est un serviteur de Dieu. Et quand Dieu marchait avec Moïse, il a voulu que Moïse puisse avoir à ses côtés des gens qu'on appelle le juge ou des magistrats, pour qu'il commence à juger le peuple quand il y a des problèmes. Il jugeait le peuple par rapport à la loi. Et quand quelqu'un est jugé, et la personne est aussi condamnée. Parce que c'est avec la loi que le peuple était condamné. C'est avec la loi que le peuple était jugé. Et c'est comme ça avec les anciens. Les anciens n'avaient rien d'autre si ce n'est que l'esprit de Moïse. Ils étaient au nombre de 70. C'est la raison pour laquelle, quand Israël marchait, dans Exode 15, le verset 21, les Israéliens se retrouvaient devant 12 sources d'eau et 70 palmiers. Là, quand nous parlons de 70 palmiers,